2021年5月17号，海地裁缝职业训练班开课。海地慈济志工在太子港拉萨林区开办为期10个月的裁缝职业训练班，帮助社区特困家庭妇女培养谋生技能，共17人参与培训。C'était un programme et que mon autre soif, yo t'attend ça, yo opportunité d'or que yo gagne pour yo apprendre coudre et pour yo capable gagner vie. Moi enceinte, mais ça pas empêché pour une chita, parce que m'vle m'pas attendre les m'accoucher, si m'mal attendre les m'accoucher, m'pas venir, on l'autre pour n'abgé dans mon place là. C'est si m'fais fort, même les m'pas normal, une chita, pour m'apprendre coudre et m'fier de ça, m'content pile.隔年3月举行结业典礼，学员们完成课程，学得一技之长，也踩出脱贫的希望。De nos jours, moi capable coudre une rad, coudre chemise mettre sous petite main, déjà, moi coudre jupe mettre sous main, et moi qu'a fait même chemise mettre sous monsieur. Moi fait jupe plicano simple et me fait jupe plicano double. Moi fait corsage de base, moi fait uniforme, me fait 3 uniformes, kin et puis l'autre l'école yo bon moi même m'ta ramen di yon moun ki ta ramen apprendre yon métier manuel que li prend parce que li pa regrette. 2015年5月17号，慈大厚中医首寿袍宣誓，宣誓凡大医治病，必当安身定制。经过3年中西医学科教育，今日举行寿袍暨宣誓典礼。由上人亲自授予听诊器与针灸包，亲免准大医王们成为病患生命中的贵人。实守我们的中医师的誓词里面所说的“先发大慈，恻隐之心，普救寒灵之苦”。慈济大学2012年开办学士后中医学系，这是东部第一所设有中医科系的院校。我们慈大成立中医系其实是希望说我们的千年医学，我们西医中医是可以互补的。从11年前招收至今，已有261人毕业投入相关领域。2013年5月17号，美国德州龙卷风关怀。15号晚间，德州北部遭13个龙卷风袭击，至少6人死亡，数十人受伤。You can just hear everything just start breaking, and the bathroom door was shaking and sucking in and out.And then when it was over, he opened the bathroom door, and everything was just gone. My daughter was scared to even come in here. She would not walk in the house. She just kept saying, "Mommy, I'm scared. I don't want to be here." 格兰伯里镇受灾最严重，数百位居民无家可归，20000户停电。慈济志工本日前往勘灾，并参与急难救助组织会议。18号起陆续发放现纸卡和毛毯，帮助共37户受灾户。We're happy to be alive and to know people like you.